La version 2022.3.0 de Profile nous offre maintenant une nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité-là nous permet d'agrandir la fenêtre de Profile. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, voyons ce que ça donne dans Profile. Ici, je suis dans une déclaration 2022 T1 TP1. Et puis, on voit ici la nouvelle fonctionnalité. Là, on a un menu avec des pourcentages. Donc, si on sélectionne le menu et puis on clique sur la flèche, on peut se balader à travers l'échelle de grandeur qu'on veut changer. Donc, là, ici, si je change par exemple à 200%, on voit que mon affichage a été changé pour 200%. Je peux le rechanger pour 100%. Ou n'importe quel pourcentage dans la liste. C'est des fonctions qui sont codées, donc on ne peut pas changer cette liste-là, mais c'est la fonctionnalité qu'on a. Donc, maintenant, si on a deux déclarations qu'on voudrait regarder côte à côte, par exemple, on pourrait aller dans Fenêtre et puis aligner verticalement. Donc, ici, je vais ouvrir une deuxième déclaration. Je fais fenêtre, aligner verticalement. Là, j'ai deux déclarations côte à côte. Puis, si je change l'échelle, donc automatiquement, elle va se changer pour les deux déclarations. Une autre fonctionnalité, si par exemple, je voulais regarder sur mon écran, sur un autre écran, une déclaration. Je peux lancer la fenêtre active. Donc, je clique sur le bouton lancer la fenêtre. Et puis, ma déclaration, elle sort du contexte de profil. Et puis, je peux l'afficher sur un autre écran. Maintenant, si je clique sur l'affichage, je la mets à 100%. On voit que la fenêtre principale de profil s'est agrandi à 100%, de même que la fenêtre secondaire sur un autre écran. Maintenant, si je retourne à mon écran, je clique sur le bouton retourner à l'intérieur de la fenêtre principale de profil. Et voilà. Et puis, cascade, la même chose. Si je clique sur ici, ça va reformater mon écran, la grandeur. Alors voilà, ça fait le tour de la nouvelle fonctionnalité. Je pense que c'est très pratique parce qu'on peut maintenant, c'est plus facile de voir côte à côte deux déclarations, par exemple. Merci de visionner cette vidéo. Pour plus d'informations sur Profile, vous pouvez visiter profilfrançais.intuit.ca.